Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'unboxing du samedi. Oui, nous sommes samedi, voilà. Alors aujourd'hui c'est un unboxing mais en deux vidéos. Maintenant vous savez que quand je prends dans une boutique de la broderie et du DP ou autre chose, je ferai des vidéos séparées. Comme ça, ça permet à ceux qui n'aiment que la broderie de regarder la vidéo broderie, à ceux qui n'aiment que le DP de regarder la vidéo DP, et ceux qui aiment les deux, ben, auront deux vidéos à regarder. Voilà. Alors, aujourd'hui, en diamond painting, c'est un DIY. Alors, j'en ai pas encore vraiment vu sur les vidéos des copinettes. Donc là pour moi ce sera une première. On va voir si c'est compliqué ou pas. Bon, le DP en lui-même lui ne va pas être compliqué, mais c'est le montage de l'objet. On va voir ce que c'est. Alors j'ai pris aujourd'hui une boîte à musique. Voilà, oui, une boîte à musique. Alors je ne vais pas la monter aujourd'hui, bien sûr. Là on va regarder les pièces qu'il y a, etc., les perles, enfin tout le contenu de la boîte, et je vous ferai une vidéo dédiée à la fabrication de cet objet. Voilà. Bon, si Fifi veut bien se pousser. Alors je vais peut-être me mettre face bureau pour tout vous montrer, ce sera beaucoup mieux pour voir toutes les pièces. À tout de suite. Alors voilà comment ça se présente. Donc dans une boîte en carton, si Fifi veut me laisser la montrer. Voilà, enlève ta queue. Derrière, vous avez les petites explications en images. Voilà. Et maintenant, on va regarder le contenu de la boîte. Alors, je vais vous remonter un tout petit peu plus. Voilà. Ouh, il y a beaucoup de choses. Je vous montre. Vous voyez? Alors, ça doit être la notice, je pense. Alors, je sais qu'il y avait plusieurs modèles. Hein. À la preuve, là, il le montre avec un lapin. D'accord. Bon, il y a un petit peu de montage. Hein. Ensuite, ah ben ça c'est. Ah ben on a un tournevis. Voilà. Alors, voilà, on a un tournevis comme ceci, cruciforme. C'est bien à garder par la suite. Ici. Ça, c'est... Ah oui, parce qu'en plus, ça s'allume, je crois. D'accord. Donc, ça, c'est pour c'est les petites LED. Voilà, avec les petits supports. Ça, c'est à diamanter. Mais bon, on va voir... 1, 2, 3, 4... 5 et 6. Je sais pas si c'est à diamanter. Non, attendez. Non, c'est pas à diamanter, ça. Bon, on verra hein, ce que c'est. Ah oui, d'accord. C'est le tour. Voilà. Je sens qu'on va s'amuser. Bon. Là, il y a du double face, deux carrés double face, donc on ne va pas les perdre. On va bientôt remettre tout de suite dans le petit sachet. On va remettre le petit tournevis également. Ensuite, on a deux plateaux. Alors, je pense qu'il doit y avoir... Je sais pas s'il y a une protection ou pas. Normalement, si. Mais...
j'essaie de trouver. Ah, voilà. Non, ça c'est juste une protection. Là, il n'y a pas de colle, il n'y a rien, donc c'est pas diamanté. C'est juste une décoration, vous voyez. Attendez, je vais vous mettre avec la feuille blanche derrière. Voilà. Donc, je ne vais pas enlever toute la protection tout de suite. Là, c'est pareil. Bah, là, je pense qu'il va y avoir le petit moteur de la boîte à musique à mettre dessus. Il y a des choses, hein. Ici, encore un plateau. Ah, celui-là est à diamanter. Voilà. Alors, on va regarder au niveau de la colle. Hop. Ça va, ça colle bien. Et niveau impression, vous voyez, c'est top, hein. Donc là, on a une fente. Et là aussi... Excusez-moi. Là aussi, on a des fentes. Donc, je pense que ça va être ça. Qu'on va mettre ici tout autour. Et là aussi, vous voyez, il y a des fentes également. Un petit nibou. Voilà. Il y a de beaux yeux. Alors, niveau impression, alors je vais vous l'agrandir. Voilà. Voilà. C'est nickel, hein, voyez. Attends, fifille. Donc, on va avoir des grosses perles, hein, vous voyez. Et donc, c'est pareil. Fifille, bouge, s'il te plaît. Bouge, mon bébé d'amour. Mais oui, mais tu sais que maman, elle t'aime. Hein? Bon, ça se défait où? Ah, ça se défait de ce côté-là. Voilà. Voilà. Mais normalement, je pense que ça doit s'enlever. Ah, c'est recto. Il faut faire recto verso. Voilà. Il faut le faire des deux côtés. Voilà. Là. Et là. Il va y avoir du boulot. Oh là là. Oh là 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 là. Alors ça, c'est la petite boîte à musique. Voilà. Là, on a encore des LED. Là, c'est la boîte où on va mettre une ou deux piles. C'est pas fini, hein. Là, ah, on a ça. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Ah, c'est le pied. Ouais, ça doit être le pied. Ouais, ça doit être le pied, mais alors où est-ce qu'il se met? Normalement, un pied, c'est en dessous. Mais je le vois pas. Parce que là, c'est en plastique. Là, il y a un rond en métal, donc c'est pas ça. Bon, je ne sais pas. On verra. Là, les perles. Hop, il n'y a plus rien. On a un petit toolkit. Voilà, avec le stylet, les petits sachets, la glu, le petit plateau. Et on a des perles strass, etc. Allez, je vais vous les montrer. Je sens qu'on va s'amuser avec celui-là. Ah ! Si, Fifi, on va s'amuser. Alors, je ne sais pas combien il y a de couleurs en tout. On va compter les sachets après. Ah, il y a des petits sachets là à part. Excusez-moi, j'ai appuyé sur arrêter au lieu d'agrandir. Alors. Voilà, des yeux de chat en jaune brillant.
des demi-perles bleues. Là, j'en ai encore un. Des yeux de chat. Alors, c'est violet, hein. Vous les voyez bleus, mais c'est violet. Des petites gouttes d'eau en... Ça doit être des abeilles, ça, ouais. Voilà. Des petits strass. Des bleus. Des jaunes. Des rouges. Et on a un deuxième sachet. Du vert, des jaunes comme ça, des transparents, orange, un orange un peu plus foncé, du rouge, rouge plus foncé, des roses, des bleus et des turquoises. Voilà. Bah écoutez, c'est beau tout ça. Bon, maintenant il faudra faire le montage. Hein. Bon, ça devrait pas être trop con. Ah non, excusez-moi, j'ai encore des sachets. Je me disais, j'ai pas vu les grands. Mais oui, les grands sont là. Désolée, excusez-moi. Alors là, on en a trois. Alors, c'est les quoi ça? Les 11. Alors, il m'en faut un là. Et un là. Ah bah, j'en ai trois, il m'en faut deux. Donc, ça va. Là. De très grands yeux de chat. Et je mets mon... Je vais mettre mon petit doigt à côté. Voilà. Regardez pas mes ongles, hein, ils sont tout moches. Ils se cassent, ils se font. Voilà. Des yeux de chat encore, mais turquoise. Et maintenant, des mini, mini. Yeux de chat. Ah, il y a des petites, il y a une petite perle qui. Alors, soit qu'elle s'est. Ou elle a dû se perdre, celle-là. Regardez. Alors, attendez, je vais essayer de vous la montrer. Elle a dû sauter dans le sachet. Voilà, vous voyez. Mais est-ce que je rêve ou est-ce qu'il y a deux couleurs, là? C'est 14. Ah oui, il y a deux couleurs. Ah non, d'accord. Là, c'est plat. Oui, non, non, c'est autant pour moi. Est-ce que, en regardant comme ça, je dis mince, il y a deux couleurs. Mais non, le brillant argenté, là, que vous voyez de ce côté-là. Alors là, c'est. Ouais, c'est plat. Donc, c'est le côté qui va se coller. Et ça, c'est du 14. Donc, le 14, c'est là. Autour des yeux. Donc là, il va m'en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 10, 20, 40. Wow, je pense que j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, j'ai le compte, hein, largement. OK. Bon, là, je pense que je vous ai tout montré. Oui, ceux-là, je vous les ai montrés. Donc, les trois là, les yeux de chat, les mini-yeux de chat aussi, comme ça. Voilà. Donc, je vous ai tout montré. Alors, voilà tout le matériel que l'on va avoir. Donc, les perles, les strass, les yeux de chat, les gouttes d'eau. Là, pour faire marcher les lumières. Donc, je ferai pareil, je regarderai comment ça fonctionne. Là, je pensais que c'était des LED, mais non. C'est pas ça, c'est les supports pour faire les étages. Voilà, les petites lumières, elles sont là, c'est sur ce câble là je pense que c'est ça. Enfin, je pense hein, qu'il y a des lumières, on dirait, mais bon, il faut que je fasse le montage pour bien voir. Bon, ben il va y avoir du boulot, hein. Alors, cette petite chose, elle est au prix de 17,49 €. Bon, c'est un prix un peu plus élevé que d'habitude.
Mais c'est aussi un objet un peu plus complexe que d'habitude. Bon, il n'y a que ça. Il faudra que je regarde où ça se met. Ah, ça se met peut-être là. Attendez. Oui, voilà. Ah! Alors, attendez. Voilà, c'est pour remonter la boîte à musique. Est-ce que ça s'arrête quand je l'enlève? Non. Bon, on va le mettre plus loin. Oh là, c'est encore pire. Je vais le tenir à la main. Voilà. Bon, ben, vous avez entendu la petite musique. Ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus du nom. Mais bon. Ça y est, ça s'est arrêté. Ça joue un tout petit peu faux, hein, on va pas. Mais bon, c'est un gadget, hein, voilà. Mais en tout cas, bon, maintenant j'ai compris à quoi ça sert. C'est le remontoir, donc il doit certainement se mettre en dessous d'un des plateaux. Donc, vous voyez, je pense que ça va se mettre ici, voilà. La boîte à musique va venir là, il va falloir la visser, etc. Et puis, voilà, on remontera comme ça pour le faire marcher. Voilà. Bon, de toute façon, quand il sera fait, je vais essayer de le faire quand même assez rapidement. Quand je l'aurai fait, ben, je vous ferai la démonstration en musique. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit objet vous aura plu. Ça change un peu des DP. Ça change aussi des autres DIY. Je crois que, bon, bah, je vais m'amuser, mais ça va. Bah, dites-moi si ce genre de petit gadget de DIY, ça vous plaît. Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Pourquoi pas? Si oui, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez envie de l'acheter? Voilà, bah, dites-moi tout. Alors moi je ne suis plus sûre, je crois que oui. Alors attendez, je vérifie dans mon carnet commence à être au bout là, il faut que je le change bientôt. Oui, j'ai un code promo avec la boutique GBFKE. D'ailleurs je ne sais même plus si je vous l'ai dit au début. Si, bon, je sais plus. Donc, j'ai bien un code promo. Je vous le rajoute ici à l'écran. Et vous aurez certainement vu que je vous l'ai incrusté dans la vidéo avant. C'est Didit-5. Voilà. Je vous le remets également en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et en user. Je vous mets également le lien de la boutique et le lien de cet article. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous à tous et on se retrouve très rapidement pour la suite de cet unboxing et pour d'autres vidéos. À bientôt. Bisous, bisous.